ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Alors vous allez voir qu'on est en train de faire quelques petits changements au niveau des courses. Vous le saviez, hein, je faisais énormément mes courses à Lidl en Belgique. Voilà, et il y a beaucoup de choses en fait qui me manquent, surtout au niveau de la viande en fait, parce qu'il y a des choses que je trouve en Belgique qu'on trouve pas en France, donc on a décidé en fait, et inversement. Mais on peut pas faire tous les magasins toutes les semaines, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Donc comme maintenant on veut aller au primeur, voilà, donc il y a plein de magasins à faire dans la semaine et c'est pas possible. Donc du coup on a décidé de faire entre guillemets en grosse quantité, comme là pour la viande, mettre au congélateur et ensuite je viendrai toutes les semaines pour enfin agrémenter en fait le menu avec les légumes, les fruits, etc., etc., et je piocherai dans mon congélateur pour la viande. Voilà, donc là on a fait un gros plein de viande, il n'y a que de la viande à pratiquement, donc à Lidl en Belgique. Voilà, on a voulu tester et peut-être que la semaine prochaine, le mois prochain, on ira peut-être faire un gros plein de viande puisque là on a, enfin, vous allez voir, hein, il y a beaucoup, donc je pense qu'on en aura pour au moins jusqu'à la fin du mois si c'est pas plus. Et puis en fait j'utilise pratiquement tout le temps les mêmes sortes de viande, qu'en fait les recettes changent mais les bases restent les mêmes, et du coup je me suis dit autant les acheter en grosse quantité et puis ensuite ben voilà, j'ai des plus petites courses à faire toutes les semaines quoi en fait. Donc déjà je vous montre ce que j'ai pris. Du coup comme je vous ai dit là c'est du Lidl Belgique. Déjà j'ai pris du skyr, j'en ai pris 4 parce qu'il est moins cher en Belgique qu'en France. On n'en trouve pas en France, à Lidl en France on n'en trouve pas. On trouve comme là, moi je prenais la marque Auchan du coup, mais il fait 1,49€ là en Belgique, donc du coup ça vaut le coup, donc j'en ai pris 4. Ensuite Greg s'est dit oh il me manque des gaufres, donc du coup il a pris les gaufres et c'est pareil, elles sont moins chères en Belgique. Là il a payé 1€ le paquet. Donc là pour toutes les courses on en a eu pour 134,86€, mais comme je vous ai dit c'est que de la viande, plus les deux trucs là que je viens de vous montrer. Donc j'ai pris 2 poulets comme ça, des poulets entiers, poulets à rôtir, pour faire des poulets rôtis ou pour les couper en morceaux. Voilà, en fait c'est des trucs que, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment des bases que j'utilise souvent dans mes recettes. Donc je vais remplir mon congélateur avec et puis comme ça je serai tranquille tout le mois. Ensuite on a pris des steaks minutes comme ça. C'est des steaks, ça fait des côtes de porc en fait sans l'os. J'ai pris des saucisses. Alors c'est pareil, ça je préfère les acheter en Belgique parce que là c'est du porc et veau. Il y a pas, c'est pas que du porc en fait et je préfère au veau. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris ensuite 2 carbonades comme ça, il doit en avoir un autre dedans, de porc, ça on le trouve facilement en France, mais c'est vrai qu'en Belgique ils sont moins chers. Ensuite il y avait des ailes de poulet, alors ça c'est pareil, on peut les trouver en France, mais je me suis dit ça fait un repas, les enfants ils aiment bien, donc du coup j'en ai pris 3 parce qu'il n'y a pas grand chose à manger hein, là-dessus. Et là en fait il y a que, bon, alors il y a 500 grammes, mais il y a quoi, 4, 5, 6 ailes je pense. Alors ensuite j'ai fait le plein de filets de poulet, ils étaient en promo, ils étaient à 6€ le kilo et je sais qu'en France on les trouve pas à ce prix là. Alors moi ce que je fais c'est que je les, enfin je vous montrerai sûrement dans le vlog, mais je les congèle individuellement. Ça en fonction des recettes, ben, j'en sors 2, 3 ou 4 en fonction de ce que j'ai besoin. Et si j'ai besoin des fines, ben, je les recoupe, ou si j'ai besoin de morceaux, ben, je les coupe en morceaux, etc. J'ai pris alors ce qu'en Belgique on appelle de l'américain nature. En fait c'est de la viande hachée de bœuf maigre entre guillemets, enfin voilà c'est de la 5%. Et en France à Auchan je la paye presque 7€ pour les 500 grammes. Là c'était 3€ quelque chose pour 400 grammes, pratiquement 4€. Hop là.
Alors ça, ça vient pas de... On est passé vite fait à Intermarché parce que la viande hachée à Intermarché est beaucoup moins chère. Elle est à 3,50€ le kilo. C'est de la porc et bœuf. Elle est vraiment bonne. Elle est moins... Alors... Je l'aime bien l'utiliser pour faire des boulettes ou des choses comme ça. En France, on trouve souvent que porc ou que porc et bœuf. Mais je trouve que la viande hachée de porc, en fait, en France, est tout le temps assez grasse. Alors que là, voilà. J'ai pris ensuite un filet mignon. Je me suis dit que ça pourrait faire un chouette repas. Il y avait des escalopes de veau en promo. Donc, j'en ai pris 4. J'ai pris... Alors, ce qu'ils appellent... En fait, c'est un... Ils appellent ça des steaks minutes, mais c'est un gros filet de dinde qu'ils ont émincé. Je me suis dit qu'avec de la sauce aux champignons ou quoi, ça fera aussi un repas parfait. J'ai pris des steaks hachés. Hop. J'en ai pris... Alors ça, c'est pour notre le repas de du samedi midi. Du coup, j'en ai pris 8. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pareil, on les trouve pas en France. C'est des filets de haut de cuisse de poulet. Donc du coup c'est un peu pour celles qui ont peur du blanc de poulet parce qu'ils trouvent ça un peu sec ou quoi là. Du coup c'est un peu moins sec. En fait il n'y a pas la peau et elle est désossée. Donc j'aime bien faire mes ragoûts avec, j'en ai pris 2. Et ça c'est pareil, c'est dur de le trouver en France. Même dans les rayons comme Auchan ou Leclerc ou quoi, ils les font pas encore en fait. Ensuite j'ai pris des escalopes de dinde, je me suis dit pareil, gratiné ou enfin voilà, je trouverai bien quelque chose pour faire avec. Et j'ai pris, alors là c'est des aiguillettes, c'est des gros morceaux comme ça de dinde. Alors ça c'est pareil, en France on a du mal à les trouver, on en trouve rarement en fait, c'est de la viande hachée de poulet. Donc pareil, j'aime bien aussi faire mon chili de poulet ou des choses comme ça avec, ou des boulettes aussi, donc j'en ai pris 2. Alors ça c'est le deuxième la deuxième carbonade de porc. Ensuite j'ai pris des, ce qu'ils appellent des steaks minutes. Alors nous on les mange pas forcément comme ça, mais quand pour faire mon bœuf stroganoff ou le bœuf un peu, vous voyez, avec l'asiatique en fait, à la mijoteuse. Voilà, donc j'en ai pris 2 aussi. Et ensuite il y avait des chipolatas de poulet en promotion, donc du coup j'en ai pris aussi. Je me suis dit avec voilà, peu importe, mais je m'en servirai. Donc voilà le gros plein de viande, comme je vous ai dit, là il y a de quoi faire pour les semaines à venir. Voilà, on est en train de tenter et essayer des petits des petits trucs pour diminuer un petit peu en fait notre montant de courses et diminuer aussi le temps qu'on fait aussi pour faire les courses, parce que là on passe nos après-midi, le lundi après-midi à faire les courses. Là au moins voilà, je pourrais, ça sera plus des si grosses courses quoi en fait. Donc voilà pour les courses de Lidl, et le retour de courses va continuer au fur et à mesure qu'on fera des achats pour la semaine. Voilà, on continue du coup ce retour de course avec les courses de Auchan. Donc petite facture, mais il n'y a pas de viande puisqu'on a fait les courses de viande en plus grosse quantité. Donc on en a eu pour 104€ et des brouettes. Il y a un gros sac de croquettes pour Marley qui est là-bas par terre. Alors je ne vous le porte pas parce qu'il est lourd, mais voilà, vous savez ce que c'est les croquettes pour chien. Ensuite je continue, je vais prendre au fur et à mesure. Donc déjà j'ai pris des jambons. Alors ça c'est pour une recette, c'est une recette que je vais faire demain, que je vais vous partager en vidéo à part. Je vais faire un ragoût de pommes de terre au maïs et au jambon. Donc il me fallait des jambons. Et j'ai pris des allumettes de bacon comme ça pour mettre dans mon omelette. Du fromage, du brie pour Greg. C'est ce qu'il est en train de manger là à 4h. Et c'est pour ça que vous entendez Marley aboyer. Parce qu'il réclame son morceau de brie. Mais il l'a eu. Hein? Ensuite j'ai pris du cheddar. Alors je vais en avoir besoin pour des faritas de bœuf sur plaque. Et deuxième pour le chili. Alors, je vais faire un chili blanc de poulet. Donc ces deux recettes là à chaque fois elles sont sur le blog. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Greg s'est pris des petits dés de fromage comme ça, c'est pour prendre à l'apéro. J'ai pris du fromage frais comme ça, je vais en avoir besoin dans une recette. J'ai pris du gouda en tranche parce que je vais faire des dinner rolls façon cheeseburger. Un morceau de parmesan que je vais râper. Du saucisson pour Greg pour l'apéro.
Des yaourts, c'est des yaourts grecs là sur lit de fruits, c'est pour Greg. Yaourt à la vanille pour Angel et il m'avait demandé des crèmes dessert au chocolat. C'est pareil, c'est pour Angel. Stacy ne mange plus de yaourt, pratiquement plus, et elle n'aime pas le chocolat, donc elle ne mange pas de crème dessert au chocolat. J'ai pris des cubes de bouillon comme ça parce que j'en avais plus. J'ai repris deux sacs de farine pour la pâtisserie et si je veux faire du pain. Des petites boîtes de concentré de tomates. Deux boîtes de pulpe de tomate, j'en ai besoin qu'une, mais voilà, je vais en avoir une en stock. Deux paquets de riz, pareil, j'en ai besoin qu'un, mais c'est pour le stock que j'en ai pris un d'autre. J'ai repris de la mayonnaise allégée, alors on la mange pas forcément comme ça, je m'en sers en fait pour faire des petites sauces. Pardon. Pour faire des petites sauces, des choses comme ça. Hop. Pour le chili blanc, j'ai pris deux boîtes d'haricots blancs. Le quinoa à la mexicaine, j'ai pris du maïs, des haricots rouges. Pour dimanche, alors en ce moment, j'aime bien, on fait une planche avec plein de crudités. Je prends une baguette que je coupe en fines tranches et je fais une tartinade. Et là, cette semaine, la semaine dernière, j'avais fait une tartinade de poulet. Là, cette semaine, je vais faire une tartinade au thon. Il n'y en a plus qui est rangé. Pour mon quinoa à la mexicaine, du quinoa. Un lot de 3 boîtes de concassées de tomates, c'est un de mes indispensables, je les utilise beaucoup dans mes cuisines. Du café, alors maintenant on prend celui-là parce qu'on l'aime bien celui-là, le Lavazza. J'ai pris 2 paquets de spaghettis complets, alors j'en ai besoin de 15 cette semaine, mais c'est pareil, c'est pour en avoir un d'avance. En fait je suis tombée à court cette semaine de riz complet. Et du coup, j'ai voulu aller à Grand Frais et je sais pas, les enfants n'aiment pas celui de Grand Frais, ils trouvent qu'ils ont... Alors Stacy m'a dit, il a un goût de grenier. Un goût de vieux grenier. Mais tu l'as pas mangé non plus. Angel est en train de dire quelque chose, mais il aime pas. Il y avait un goût de... De plastique. De plastique. Enfin, je sais pas. Il aime pas, donc du coup, j'ai pris un peu plus comme ça au cas où je tombe... Enfin voilà, ça pourrait peut-être tomber à court. Même Marley, il aime pas, elle dit. Pourtant, c'était du bio et le prix n'est pas le même. Bref. Donc oui, les spaghettis, c'est pour faire un one pot spaghetti à la viande. Donc j'en aurai toujours un d'avance. J'ai repris de la compote pour Stacy. Donc maintenant, en fait, comme elle mange plus de yaourt, elle a tendance à prendre des compotes comme dessert. Donc j'ai pris des gros pots. Maintenant, je prends plus les petits pots parce que voilà, elle se sert directement. Ça prend moins de place dans le frigo. Donc j'ai pris pommes et pommes poires. Ensuite, alors elle avait fait des cookies cette semaine, elle avait utilisé ma plaque de chocolat au lait, donc j'en ai pris une parce que j'aime bien en avoir une d'avance au cas où j'ai envie de faire des pâtisseries, des petites sucrètes pour mon café, des petits beurres. Stacy m'avait demandé les fines plaques de chocolat, mais on les trouve qu'en Belgique et il va falloir que je pense à la en chercher parce qu'il n'y en a plus. En fait elle aime bien mettre ça dans du pain ou elle met ça entre deux petits beurres, mais c'est vraiment des fines plaques un peu plus épais. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais comme du carton en fait, un petit peu plus fin que du carton, un peu plus épais qu'une feuille de papier. Ils appellent ça des tartinettes, je pense, en Belgique. On met ça dans du pain. Et on trouve pas ça en France, on trouve que des grosses plaques. Ensuite, alors ça c'est pour Greg, c'est pour ses apéros. Il a pris des tucs, cette fois-ci il a pris bacon, un paquet de chips nature. Et il s'est repris des tortillas au cas où, parce qu'il reste de la salsa. Hop, pour Marley, donc du coup j'ai pris le gros paquet de croquettes et j'ai repris des os comme ça. Ensuite j'ai pris une bouteille d'huile d'olive pour les enfants pour faire des bubble tea. La dernière fois vous m'avez demandé comment je les faisais. En fait tout simplement ils prennent du thé comme ça infusé et ils mettent des bubble tea, les billes là dedans. En fait elles sont déjà faites, elles sont déjà aromatisées et tout, donc il y a mangue et puis... litchi qu'on avait pris. C'est les deux parfums qu'il y a dans notre magasin asiatique. Donc du coup j'ai pris les deux et j'aurais pris du coup du thé à la pêche et du thé saveur mangue avec une touche de camomille. Hop. Je me suis repris aussi deux bouteilles d'eau pétillante, donc citron et pimente. Hop, Greg s'est pris une bouteille de martini blanc, enfin c'est du l'imitation martini. On a repris aussi du nettoyant pour vitres à cheminée. Nettoie vitres chaude, froide ou tiède, efficace et rapide. C'est la première fois qu'on va utiliser celui-là. Hop, et au niveau des fruits, enfin des légumes,
J'ai juste pris du céleri branche comme ça parce que chez mon primeur on a tendance à trouver que les feuilles. Et j'ai pris un sachet de radis aussi comme ça. C'est juste parce que j'ai la flemme avec les bottes. C'est juste ça. Hop. On va du coup continuer avec le primeur. En plus, si je vous ai dit pour combien on en a eu pour Auchan, on en a eu pour 104 euros et des brouettes. Le primeur, par contre, je m'en souviens, on en a eu pour 39,39 euros parce que la primeur, ça se dit ? Elle m'a même dit j'aurais su, j'aurais joué au loto. Parce qu'elle a eu 39,39. Voilà. Alors, on y va du coup pour le primeur. J'ai pris. Bah, parce que c'est. Fallait. Parce qu'elle est tombée sur 39,39. Deux chiffres pareils. Bref. Donc, du coup, des endives. Je vais en faire mais juste en salade. Et après, Blue aussi aime bien en manger. Parlant de salade, j'ai pris une laitue. Hop, j'ai pris une barquette de champignons. Alors, j'aime bien les manger comme ça, crus, en salade ou quoi. Mais là, je vais faire aussi des boulettes de... Alors, je vous ai déjà partagé la recette. Enfin, c'est pas vraiment une recette. Hein. C'est des boulettes à la tomate avec des champignons. En fait, c'est des boulettes dans une sauce tomate avec des champignons. J'ai pris 3 avocats. C'est pour les faritas. Hop. Des brocolis pour manger comme ça. Alors ça, j'en avais pas besoin, mais elle me les a donnés. Donc du coup, je les ai pris volontiers. De fenouil. Une tête d'ail. Deux petites barquettes de tomates. Donc il y en a une, c'est pour manger comme ça. Et l'autre, c'est pour la planche du dimanche. Hop. J'ai pris des poivrons. Alors, parce que je vais en avoir pas mal besoin dans les recettes. Pour le quinoa à la mexicaine. Enfin voilà, donc j'en ai pris 4 poivrons verts. Et alors je voulais un jaune et un rouge, mais il n'y avait plus, donc j'ai pris 2 rouges. Une grappe de tomates, c'est pour moi manger en accompagnement, en salade quoi en fait. Concombre, j'en avais besoin de 15, c'était pour mettre avec la planche, mais elle m'a offert le deuxième. Et ensuite j'ai pris donc des carottes. Comme d'habitude, 3 kg de carottes. J'ai pris des pommes de terre chair ferme, des amandines. Je vais vous prendre comme ça pour le reste. Youp, voilà. Donc, j'ai pris des amandines. J'ai pris un sac d'oignons. Je les prends en sac. En fait, ça se conserve pas mal. Et puis, j'en consomme quand même pas mal aussi. J'ai pris 1 kg de clémentines. Alors, je pense qu'il y a 2 ou 3 kg de pommes. Je sais plus, c'était une promo. J'ai pris des poires, 1 kg de poires, 4 oranges. Je vais faire une recette pour la semaine prochaine que vous aurez la semaine prochaine avec des oranges, donc j'en avais besoin. Je vais la faire ce week-end. Et des bananes, voilà, pour les courses du primeur. Donc du coup, je vous mets le menu ici. Le menu de la semaine que vous pouvez retrouver du coup en barre d'infos si vous voulez le télécharger. Au niveau des recettes, donc le One Pot Saucisse, c'est une recette qui est déjà sur le blog. L'orzo poulet crémeux, c'est une recette que je vous ai filmée et que vous avez vue que vous verrez vendredi, excusez-moi. Hier, vous avez vu la recette de la tarte tendre au citron. Donc c'est une tarte au citron avec sur une base de... guillemets génoise. Donc ensuite ce soir c'est l'omelette, donc ça il n'y a pas vraiment de recette. Demain c'est une nouvelle recette que je vous filme, que vous verrez dimanche, le ragoût de pommes de terre au maïs et au jambon. Le chili blanc de poulet, c'est une recette qui est déjà sur le blog. Quinoa à la mexicaine, c'est pareil. Boulette à la tomate, alors c'est pas une recette qui est sur le blog, mais c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous ferai montrer comment on fait si vous le voulez dans le vlog, mais franchement c'est une recette qui va très très vite. Le one pot spaghetti à la viande, c'est pareil, c'est une recette qui est sur le blog. Faritas de bœuf sur plaque, c'est la même chose. Je vais retester de faire un poulet rôti, mais cette fois-ci complètement rôti en fait avec le ninja. Des dinner rolls façon cheesecake, cheeseburger, c'est sur le blog aussi. Steak frites et la salade de thon avec des crudités. Pareil, ma recette de tartinade de thon, ma salade de thon, elle est sur le blog aussi. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous le souhaitez, si vous voulez aller faire un petit tour. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Baby, I ain't never been good at math.
I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact.